Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un excellent lundi. C'est notre rendez-vous quotidien pour la lecture du poème du jour, que je vais encore puiser dans mon recueil Mon silencieux vacarme, que vous pouvez d'ailleurs commander sur Amazon. C'est ce qu'on appelle une impression à la demande. Donc en fait, à partir du moment où vous passez votre commande, il faut compter 15 jours avant de pouvoir le recevoir chez vous, puisqu'il va vous être envoyé directement de l'imprimeur à votre adresse. C'est un petit livre de 90 pages avec une couverture touchée velours, soft touch comme on dit aussi, papier glacé puisqu'il est composé de beaucoup de photos, voilà, qui sont les miennes, et de poésie, de réflexion, de citations, voilà, différentes choses. Et aujourd'hui, je vais vous lire un poème un peu différent qui est court et qui s'appelle Elle et lui. Tel un artiste peintre inspiré, faisant de ses doigts des pinceaux, une toile vierge délicatement comblée, il transforme son corps en tableau. Tel un conquistador romantique, colonisant sa peau de ses caresses, dans une exploration empirique, il découvre sa cité d'allégresse. Tel un chef d'orchestre philharmonique, lisant sur ses courbes une partition orgasmique, il fait de sa jouissance une science onirique et de son être un instrument de musique. Elle est sa quête aux mille saveurs, elle est son Graal et sa demeure, elle est sa terre et son ailleurs, elle est son lui, son âme sœur. Voilà, court mais efficace. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée. Il fait encore beau aujourd'hui, il y a un peu de vent, un peu d'air, mais c'est plutôt agréable. Et voilà, je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain si tout va bien.